Voilà, nous entamons la descente. Mais toujours aussi beau. Tout à l'heure, on était dans les nuages, je ne pouvais pas prendre de vidéo. Donc, du coup, on est encore, il y a encore un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, on est monté très haut. Et là, nous sommes en train d'entamer la descente. Voilà. Donc, on va laisser bientôt tout ce beau paysage de montagne pour aller vers la plage. En attendant, je mentalise encore et encore. Regardez. Là, on entame la descente. Tout à l'heure, on est monté. Donc, j'ai fait une vidéo quand on montait. Là, je fais une vidéo pendant la descente. On a encore des nuages. Vous voyez, c'est pas la fumée. Nous sommes encore très très haut là. Donc, on a les nuages qui nous traversent là. Là tout en haut, je pouvais pas, vous voyez, on était là dedans, je pouvais pas prendre de vidéo, donc du coup ça commence à s'éclaircir un tout petit peu. Voilà, donc si on vous demande pourquoi Rézi affectionne ses voyages en voiture, c'est justement pour passer ces moments où elle découvre ses vies. Attendez, je vais baisser la vitre pour essayer de vous avoir des images. Voilà. Donc nous avons entamé la descente en fait. Tout à l'heure, je ne pouvais pas prendre de vidéo parce qu'on était vraiment tout en haut et puis c'était très très sombre. Voilà, donc on était tout là-haut, je ne sais pas si vous voyez, tout là-haut, vous voyez là, tout sombre. Voilà, donc nous entamons la descente sur Andorre. Donc, si on vous demande pourquoi Rézi adore ou affectionne les voyages en voiture à travers le monde, quand elle peut, les destinations où on n'a pas besoin de prendre l'avion, c'est pour ces moments, c'est pour ces paysages, c'est pour cette évasion. Voilà, c'est surtout pour immortaliser ce monde si merveilleux que l'on ne peut découvrir quand on sort de chez soi. Voilà, en avion on n'a pas la même possibilité de vivre, je sais pas, que de vivre ces moments. Donc du coup tout ça c'est que du bonheur. Il fait encore froid hein? C'est normal, on est voilà, il fait 10 degrés à l'extérieur, on est encore très haut. Sachant qu'on va en Espagne, le contraste sera énorme.